Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve aujourd'hui pour la pas attendue de... pour le deuxième épisode de The Walking Dead parce que voilà, ça me démangeait de le faire et puis voilà, j'ai fini le premier épisode il y a maintenant, enfin que j'ai uploadé il y a presque une semaine et je l'avais fini plus tôt, donc voilà, j'ai envie de savoir la suite. En plus j'ai appris que le quatrième épisode était enfin sorti, j'ai de la marge avant d'y arriver, mais bon voilà, Game 1 épisode 1, donc celui-là c'est fait. Et on peut commencer épisode 2, Starved for Help. Alors Starved, c'est quand on a très très faim. Sauf que Starved for Help, ça doit être un truc de style anglais, mais je comprends pas trop ce que ça veut dire. On s'en fout, on va commencer, vous avez vu. Comment qu'elle s'appelle elle déjà? La fille de l'autre con, Larry. Larry, je me souviens bien, mais elle... Non, je l'ai pas. Tu as une gueule bizarre, donc je sais pas... Peut-être qu'il va arriver des choses. En tout cas, j'espère. Et pour l'instant, magnifique écran noir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. J'ai cru que ma PS3 avait bugué. Oui, désolé s'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos, là, cette semaine en tout cas. On est la semaine du 15 octobre. Parce que on est un peu en pénurie de vidéos. Les Walking Dead, j'en avais pas fait d'autres jusqu'à aujourd'hui. On est mardi 16 octobre. Et on n'a pas pu tourner de Wind Waker ce week-end, donc il n'y en aura pas non plus pour cette semaine. Celle de Mario, il faut encore que je fasse des twists parce que ça fonctionne pas très bien. Donc désolé, hein, je pense que je vais réorganiser tout ça parce que là, j'ai peut-être voulu être un peu trop ambitieux sur le rythme de parution. Et si j'ai un coup de mou, et bah, forcément ça va pas trop vous plaire. Donc je vais essayer de réorganiser ça et oh! Et voilà, on commence, des zombies qui bouffent. Ah, c'est un petit récapitulatif, je m'étais. Oh, ça frise à mort. Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. Bon, je suppose que ceux qui regarderont cette deuxième partie, ce deuxième épisode, enfin mon let's play de ce deuxième épisode, ont déjà vu le premier, enfin j'imagine. Pour ceux qui débarquent, hein, il y en aura peut-être un, on joue ce personnage-là, Lee Everett, le Black, qui était un taulard qui se faisait emmener sûrement en prison, et puis on a percuté un zombie sur la route, même si on savait pas trop que c'était un zombie à la base, on a eu un accident de voiture, et on s'est retrouvé voilà, un peu comme ça dans la nature, tout seul, avec une jambe blessée, face à une horde de zombies dont on sait pas trop pourquoi elle est là, ni comment, et le but c'est de survivre, et on a trouvé un groupe, on mêle des amitiés, mais aussi des haines, comme avec Larry, qui sait que je suis un meurtrier, j'ai tué un sénateur en fait. Et donc voilà, on a essayé de survivre comme ça, regarder le premier épisode, hein, enfin les 4 premiers let's play. Et comme le jeu le dit, voilà, c'est vous qui dictez l'histoire en fonction de vos choix. Parce que dans les dialogues, vous aurez plusieurs choix, mais vous le verrez très bien. Telltale Games Presents. Ah, pour une fois, c'est un joli environnement tout mignon. Et on va se taire. Oh, ça commence bien avec une hache. Oh, je joue déjà. Qui c'est? Oh, attends, je vais pas lui donner un coup de hache. Si, c'est un zombie. Ah si. Allez, hop. Bleh. Ça commence bien, allez. En plus, il avait un look des années 70. C'est un vieux zombie, ça. Ah oui, ça démarre. Bongo bongo. Je ne te connais pas, toi. Il mangeait un lapin. Ah. Ils disent que c'est une autre viande de perdu. Ils ont tous faim. Sauf que là, Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. C'est Lily, voilà. Mais ça démarre comme ça?
just worried about his kid getting it out. I worry about Clementine, too. Il est inquiet pour Clémentine, moi aussi. En fait, là, ils sont en partie de chasse. Mais ce qui me tilte, c'est que on s'était pas du tout laissé là, quoi. J'espère qu'il n'y a pas eu un bug, ou alors c'est Kenny. Kenny ne nous abandonnera pas. C'est un bon mec, c'est un Gaulois. Apparemment, Larry l'a défoncé, enfin, verbalement la nuit dernière. Mais là, je connais pas ce mec. Non, j'allais pas dire, c'est un vieux raciste, un vieux trou du cul raciste. Mais je connais pas lui, pourquoi on débarque comme ça? J'espère que c'est un flashback à l'inverse. Je suis un peu dubitatif là pour l'instant, je... Can you make that shot? Est-ce que tu peux tirer? Ah, s'il pensait ne pas pouvoir l'avoir, il ne tirerait pas. Suspense. Eh ben ouais, eh tu pues. Et t'as ramené du zombie. Est-ce que c'était Kenny? Allons-y. Mais c'est bizarre. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui va pas là, hein. J'ai presque envie d'aller voir sur internet. Bah écoutez, pour l'instant, scène d'action, je vais pas me couper là. On va voir si jamais ça s'explique après. Araignée, argue. Oh putain, un piège à loup. Et c'est pour ça qu'il faut regarder où on marche. Nous les Parisiens, c'est pour éviter les crottes de chiens. Bah eux, c'est pour éviter les pièges à loup. Ne nous tuez pas. Ah bah eux, au moins, on les connaît vraiment pas. Ah bah oui, ça pique, hein. What happened? On va vous faire du mal. J'adore les réponses qu'on peut dire. Faut tirer le truc. En espérant pas perdre des doigts. Parce que Lee, ça fait 2 semaines, mais je me souviens qu'il est un peu couillon sur les bords. Aussi Beaten, est-ce qu'il a été mordu? Non? Bon. Ok. Oh, coucou. Ah, on peut pas le desserrer. Je sais pas, on le tire au campement, non? Je sais même pas si on est encore à l'hôtel ou si on est autre part. Allez, faut le tirer. C'est très mauvais. Wouah. C'est quoi ça? Try to cut the chain. Merde. Oh! Mais non! Il a dit essayer. Non, je vais pas lui couper la jambe quand même. Non, mais je peux pas la chaîne, il a dit essayer de couper la chaîne, mais je vois pas en quoi ça allait nous aider. Oh! Ah, ça pique, hein! Docteur Lee, à votre rescousse. Oups. Ah, ah. C'est gore. Oh, la tête. Ah, bah oui. Aïe. Ah, ça bouge encore. Ah, putain, et puis en plus, il nous montre bien le truc. Allez. Ah. Ah, bah, je l'ai tué. Oh, il a tapé une galette. J'ai coupé David, je l'ai coupé, oui, pour le rendre libre. Je sais pas s'il va vivre longtemps avec une jambe coupée. Rappelez-vous, en plus, Doug nous avait dit,
tout ce qui se fait manger, quoi qu'il reste, ça revient à la vie, machin. Alors, tiens, vous allez voir la petite botte là qui va. Ah non, mais cours, retourne-toi au lieu de les regarder. Je vais pas t'aider, hein, t'as l'air couillant. Oh! Eh si, bah écoute. The Walking Dead. Ah non, non, s'il y a ça, c'est que c'était vraiment le début, mais c'est bizarre ça. Il me fout tout de suite avec des personnages que je connais pas, il me parle d'événements que je sais pas ce qui s'est passé, il me demande de répondre à ces événements. Moi je veux bien, hein, mais. Je veux dire de la merde. Ah voilà, donc on est encore au motel. Going hungry. Ouais. Cet épisode, il va être placé sous le signe du miam miam. Le signe de la famine. Written and designed by. J'ai pas vu. Marc quelque chose. Oh Clémentine. Moi, elle a pas l'air en forme. Lily, donc elle. Ouais, c'est ça, Lily. Je vais essayer de me souvenir des noms quand même, mais c'est pas facile. Larry. Larry, toi, dès que j'ai l'occasion, je te coupe la tête. Alors, c'est bizarre, vous vous souvenez, la dernière fois, à la toute fin, on s'était laissé sur le motel, là. Tout va bien aller, on va faire des barricades et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a... C'était à moi de faire quelque chose, non? Non. Ah non, j'avais vu un carré, mais c'était un morceau du décor. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, tout le monde en bas, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est nous qui revenons, non? On vient de la chasse, on vous a ramené un mec unijambiste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et là, il y avait une sorte de coupure de courant, et pouah! Cliffhanger, mais là, apparemment, tout va bien, donc je vois pas les délire. Ou alors, ils vont vraiment tout s'expliquer après. Mais oui, je vais bien, Clémentine. Est-ce que tu peux le réparer? Non, faudrait recoller les morceaux, hein. Lily, quoi, what the hell? On peut pas ramener des nouveaux gens ici. À quoi tu penses? He would have died if we left him. Ah! Je vais dire ça. Voilà. Il serait mort si on l'avait pas aidé. Et alors? On n'est pas responsable de tous les crasses qui arrivent aux autres. Ça, c'est vraiment des enfoirés les deux, hein. Et on, c'est 3 personnes dans le groupe et les autres, on les laisse crever, hein. Carly! Ah! Et toi, je sais pas. Ce sont des gens. Des gens qui essayent de survivre. On doit rester ensemble. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Eh non, ils ont pas de... Ils ont pas de nourriture sur eux. Come over here and see what I drew. Le mec, il est secoué, il vient de perdre 2 mecs. Enfin, l'autre, il est encore vivant, mais pas pour longtemps, je pense. Et Clémentine qui dit, viens voir ce que j'ai dessiné, c'est rigolo. Ah ouais, bande de dictateurs. Allez Kenny. Ah, t'es dramatique, bah pas vraiment, hein. J'ai pas demandé à conduire ce groupe. On s'en fout de qui est en charge. I'm a god... Qu'elle a dit quoi? Je suis un nazi, non? Non, je pense qu'elle a dit l'inverse, je suis pas un putain de nazi, mais... J'ai essayé de rester neutre. Suisse! Ah, il faut que je décide de quel côté je suis. Oh, Kenny, il a... Oh, ma fille a plus de boules que vous. Bah, écoute, c'est son problème, hein. Après, voilà, la chirurgie... Je suis neutre, hein, je suis suisse. Oh, le regard de chien méchant. Tu penses que c'est facile pour moi? Tout le monde commence à me haïr. Gna gna. Non, on te hait parce que t'es con comme ton père. Ah, elle me donne les rations de nourriture pour la journée, il faut que je les distribue. Clémentine, on va manger. For 10 hungry people. 10? Ça là? Je dirais plutôt 2 moi, mais après chacun son... Ah, Larry, même pas en rêve, toi tu as crevé la dalle. Carly, toi tu as mangé un truc. Toi le nouveau, je m'en fous.
Kenny, je vais te donner un truc. Pour toi ou pour ton fils, après c'est toi qui décides. Non, toi, je sais même pas ton nom, dégage. Ça ressemble au petit truc, au petit bâtonnet qu'on trempe là, genre dans le Nutella ou quoi. Non, je veux pas te donner de supplies, je veux juste savoir comment il va. Est-ce qu'il va être bien? Je sais pas. Est-ce que tu peux me donner... ouais, bien sûr, je peux t'aider. Ok. Cet homme n'a pas de jambe. Ah bah oui, c'est moi qui ai coupé. I did the right thing. J'ai fait la bonne chose. Ouais, je sais que tu l'as fait. Hop, hop, hop. Ah oui, ça fait flipper un mec sans jambe. Hein. Enfin, sans jambe, non, mais avec une demi-jambe, quoi. Lui, il va boiter, mais sévère quand il sera sur pied. Oh bah, va faire un tour, j'ai besoin de... Je pense que t'as pas faim, hein, vu que tu travailles sur une jambe. Une jambe coupée. Donc... Ah, Clémentine, elle dessine bien, j'ai vu un chat, et l'autre, j'ai vu que des gribouillis moches. Où est ton chapeau? Ouais. Il y a deux jours. Tu veux manger? Mais non, je vais lui donner à manger à la gamine. Par contre, Doug, je suis pas sûr de lui donner. Remarque, j'ai... Ah, que je me trompe pas. J'ai de la bouffe pour 10 personnes quand même, c'est beaucoup, hein. Yeah, ta ta ta. Give piece of jerky, give crackers and cheese, give half an apple. Des crackers au fromage. Sunday sera mieux. Ah bah, lol, y a pas de McDo. Non, j'ai pas envie d'en donner à lui. There are 3 pieces of food left. Ah bah voilà, il y en a plus que 4. Bah alors pourquoi ils m'ont dit 10? Il y a de quoi nourrir 10 gens affamés ou je sais pas quoi là. Ah non, elle m'a peut-être dit il y a pas de quoi faire 10 personnes affamées. Ah Kenny, je t'aime bien. Je veux que tu saches que je suis de ton côté. Papote-moi. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Ah, il me demande de respecter ses choix. Your family's right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. The coast does sound like a smart. Je veux dire, ouais. Je sais pas c'est quoi un coast, mais. I know that it is. I'm taking my family. The coast. Ah si, c'est la côte. Tu veux manger? Want something to eat? Allez, des crackers au fromage. Prends des tucs. Est-ce qu'il a mangé? Non. Come talk to me once my boy is taken care of. Eh, c'est pas à moi de nourrir ton gosse, hein. T'avais qu'à ramener du lapin, hein. Y'a qui d'autre là que. À qui je pourrais donner? Larry, c'est pas la peine. L'autre inconnu, je m'en fous un peu parce que c'est un inconnu. Bon, je vais donner à. Il me reste 3, c'est ça? Bon, je vais donner à ton gamin là, comme ça tu as mangé. Ouais, je vais te donner le truc le plus nul, piece of jerky. C'est dégueulasse. Toi, je vais te donner un truc parce que je t'aime bien. Non! Elle. Déjà, je vais lui parler. I'm giving out food. What should I do? Want some food? Est-ce que t'as mieux dormi? No. Ah, elle a pas mieux dormi. Ah, ah elle pense encore à Doug. Je ne suis qu'un homme. Est-ce que tu veux de la nourriture, tiens, pour me faire pardonner de t'avoir choisi? Je vais te donner la moitié d'une pomme. God, I used to eat an apple every morning with some granola and six almonds and...
Ouais, mais là, t'auras que la moitié d'une pomme. Et c'est la dernière nourriture pour quelqu'un d'autre. Ou garder la pièce pour soi-même. Je fais mon enfoiré ou pas? Non, hein. On a un peu de morale. Moi j'ai encore de la brioche là, c'est bon. Kenny, eat. Eat da poupou. Tiens, crackers and cheese. Oui, il a mangé. Ah, par contre, ta femme, tu t'en branles, hein. Sure, then hand it over. Il s'en fout de sa femme. Alors qu'elle est en train de faire de la boucherie là de son côté, je sais pas où elle en est d'ailleurs. Putain, ça fait déjà 21 minutes, poids. Ah, c'est pas facile, hein. Bah non. I don't envy. I don't know. Je ne t'envie pas. Je ne sais pas comment tu as la force de faire ça tous les jours. Je n'ai pas le choix. Ouais. Non, ta femme, elle est en train de couper sa jambe. Ah, il est sérieux de, pour m'emmener avec eux. Il y en a plus. Yeah, well, I don't see you working on that wall. Quoi, sur ce mur? Tu veux que je me mette une palette contre? Ah, oh, le vieux, où est ma nourriture? Il pense même pas aux enfants ou à ceux qui sont sous le choc, là, le gros naze. Qu'est-ce qui se passe? Elle a arrêté. Ah non? Ah bah ouais, mais là, tu need space, mais là, t'es pas en train de travailler. Alors moi, je me disais, sur un malentendu. qu'est-ce que... quoi? Je dois aller où? Je dois lui casser la gueule. Ou alors... ah si, je vais peut-être faire ça. Non. Ça, c'est de la barricade. Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. Ah, il est faible. I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up, quit being such a pansy. Ah, mais lui, j'ai envie de lui mettre des baffes. Tiens, je vais lui parler. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. I'm gonna cut that guy's leg. Ah ouais, c'était fucked up, comme tu dis. Ouais, parce que si elle peut pas le sauver, ça fait un ennemi dans la baraque, hein. Désolé, j'ai plus de nourriture. Je comprends. Ah, ça doit être dur de faire ces décisions. Viens me voir la prochaine fois. Ah, bah voilà, lui, il est bon, lui. Ah, ce mur n'est pas standard militaire. Mais non, je sais pas comment c'était. J'ai bien pris le deuxième épisode, hein. Ouais, c'était ça. Hein. Lily nous en veut. Je sais que ses intentions sont bonnes, mais... mais rien. Elle fait les choix intelligents. Putain, mais toi, je vais te faire bouffer la... je vais te faire bouffer la barrière. Ah non, vas-y, prends ma hache. Je vais choisir à qui je la donne. Ah non. Là, je suis un devin. Allez, hop, va te faire foutre. Non. Bah si tu fais tout le travail comme ça, c'est lui qui prend la suite. Quoi? Je lui dis quoi? I never said that. Bah j'en sais rien moi. Attends, vous me parlez d'événements que j'ai pas vu. Ken, Lee, come here, please. Venez ici. Bon, ça pue. Il a perdu trop de sang. Oh merde, il est mort. J'ai coupé une jambe pour rien, les mecs. Let him go. Ouais, ça a été une matinée difficile. Et il n'allait jamais survivre.
C'est plus notre problème. Bah, un peu quand même. L'autre gamin. Wouah! Bah, 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 bah! La vache! Crois, crois, crois! Il y aura Mario Party! Oh! Je me souvenais. Vite là! Ah! Non, bouge! Coup de boule! Coup de boule! Je fais rien. Ah, si, si, c'est moi qui fais en plus! Je dois faire gauche-droite, gauche-droite! Donne, 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 donne! C'est coincé, non mais le mec, c'est une branque comme moi quoi. Non, 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 non. Non. Bouge. Non, tu me mords pas. Use the left stick to get away. Je sais plus parler. Non. Oh, je suis tombé comme une merde. En même temps, ça me change pas. Purée, mais... Ah, j'écrase les yeux, c'est gars. Mais allez-y! Oh là 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 là! You okay? Yeah, thanks. Finalement, j'aurais peut-être dû donner la hache à l'autre, hein. Eh, trop du cul. Arrête, ton cœur, il va encore faire des siennes. Enfin, tu me diras, ça me dérangerait pas, mais... Ah oui, est-ce qu'il a été mordu? C'est vrai qu'il s'est transformé. J'ai même pas tilté. Il n'a pas été mordu. Oh, les freezes, mec. Vous ne savez pas? De quoi tu parles? C'est pas la morsure qui vous rend zombie. En gros, hein? Tu mens. Elle n'a pas vu de morsure. Jesus Christ. Comment c'est possible? En fait, là, ils viennent de dire que... Enfin, bah, le gamin, là, je sais plus comment il s'appelle. Dès qu'on meurt, on devient... je suis mal cadré. On devient zombie, même si on n'a pas été mordu. Mais... Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a eu genre une arme biologique ou quelque chose comme ça. Back off! Reculez! Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off, Carly. We don't want any trouble. Of course, neither do we. Andy St. John. Ah, c'était dans la bande-annonce. Il cherche du gaz. Pourquoi avez-vous besoin de gaz? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. Y'all be willing to lower your guns? We can talk about some kind of trade. How y'all doing? Ah, ils sont à une ferme. We got plenty at the dairy. Oh, ils ont plein de nourriture. On va aller voir leur ferme. So, what do y'all think? Ok, on y va. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. See how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Et une drôle de tête, lui, hein. Fais pas confiance, hein. 29-30 minutes. Ah. Ah, sauvegarde en cours. Là, j'ai bien noté. On va s'arrêter à la prochaine séquence de gameplay. Et forcément, il cultive la terre, donc il doit avoir pas mal de bouffe. Ah, elle voudrait que je sois le leader. Me as a leader. Ah, tout le monde vient me voir. Ah, ouais. À cause de ton passé. Larry le sait. Ah, c'est pas facile. Ah, mais non. Clémentine aussi. Posé un one away. Ask me about it. Ask me about it. I couldn't mind to work.
Ah, j'ai pas pu lui mentir, bah non. J'en sais rien. Silence. Première fois que j'utilise le silence. Bah en même temps, c'est difficile de parler d'un truc dont je sais pas ce qui s'est passé. Le sénateur, je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi il a tué, je sais pas si c'était un accident. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Ah, ça fait pas de moi un homme méchant. Ou un vilain. Ah, je me la mets dans la poche. Alors, j'ai tué un sénateur. J'ai vécu à Macon. Au cœur de la Géorgie. It's a democracy. All of us looking out for each other. I hear that. There's so many dumbasses out there fighting each other these days. It's just stupid. How many people you got over there anyway? Enough to defend. Assez pour se défendre. Well, that's good. Getting dangerous out there. Well, you guys know. Non, c'était au cas où vous essayiez de nous la faire à l'envers. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember, but now it's... You think you're going to cut me out of this? Shit, you damn. Ah. No one's trying to cut you out of anything. Come at me, bro. Ah, des bandits. Ah, toujours qu'essaye d'en profiter pendant une épidémie de zombies. Ah, c'est des putains de trous du cul. Oh, ça c'est fait. C'est bon, il est mort, il est mort. Trop du cul. Ils aiment bien les trous du cul ici, hein. Ouais, j'avoue, le monde là, il tourne pas rond, hein, parce que abattre un homme comme ça, en s'acharnant dessus, est-ce qu'il a visé la tête? On va le voir se relever? Non, ouais. Moi, je dis qu'on va peut-être le revoir un peu plus tard, lui. Ah, la petite maison dans la prairie. Oh, ça va, le cadre est sympa, hein. En plus, ils sont protégés par des barrières électriques. En fait, ils avaient besoin de gaz pour le générateur qui fait tourner les barrières électriques. 4000 volts. Donc, en gros, les zombies s'approchent, ils font, ah, ils font... Et puis, ils meurent. Ou finissent en cendres. Oh, c'est mama. Est-ce que vous avez eu un accident? Ah. Ah, il n'y a qu'avec cette ferme, on dirait jamais que le monde, c'est apocalyptique. Mama, enfin, comment? Ah, je suis vraiment devant. Il est de Macon. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? On travaille ensemble. Je vais essayer de garder un discours cohérent cette fois et qu'on me dise pas vous avez dit que c'était une démocratie et puis vous dites que c'est vous qui mais... Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Ouais. Non, non, non. Est-ce que cette offre s'applique à tout le monde? We're all incredibly hungry. These are for y'all. They French this morning. Amazing. Ouais. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through. Maybelle. Whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she? We have a vet, but we could bring her here. On a un vétérinaire.
Ah, parce que leur vache est malade. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Ils vont nous préparer un bon repas. Et c'est sur cette belle parole qu'on va se laisser. En tout cas, quand ils ont décidé d'arrêter de taper la causette. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take... Oh, elle repart toute seule. Take care of yourself, Lee. See you in a while. Ah non, il y a l'autre l'autre gars avec lui. Même si j'ai pas l'impression que ce soit un gros warrior, le mec. Mark, Lee. Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. Yeah, la nourriture. Man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Ah, comment tu veux te la jouer? Ouais. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Voilà. Right. Faut être sûr que cet endroit soit sécurisé avant d'amener tout le monde. And checking the fence perimeter sounds like a decent way to get a good look at their defenses. All right, I'll keep my eyes open and you find out what you can from Andy. OK. On va faire un tour du périmètre de sécurité. Et c'est parti, on va se laisser là les amis. Merci d'avoir regardé cette première partie de l'épisode 2 de The Walking Dead. Moi je vais enregistrer tout de suite la suite. Je vais peut-être me mettre un peu de luminosité parce que là ça commence à tomber. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite.